flame bursts into fame. With me with the golden lead, got powder for the snooze in this. Don't make the lion roar, we fight him. Ne pouvait partir mieux pour Montpellier aujourd'hui. Première minute de jeu et le voilà, l'ouverture du score en faveur de cette équipe de Montpellier. Une ballon qui a été estimée par la défense de Soyot. Et là tout de suite, Valérie Gauvin, première occasion, une frappe puissante, elle ne se pose pas de questions. Voilà, le break est fait pour cette équipe montpelliéraine et il est vraiment beau ce but inscrit en première intention aussi par Clarisse Le Bihan. Le bon travail de Sandy Toletti au milieu de terrain qui fixe la défense et qui décale. Et là un bel enroulé du droit qui vient trouver le petit filet de Roman Munich avec le troisième but de Montpellier dans cette première période. Et il est l'œuvre de la Suédoise Stina Blackstenius qui au second poteau ajuste parfaitement d'un coup de tête la gardienne Roman Munich sur un très bon centre de Marion Torrent. Et c'est également l'image de cette rencontre où on a vu les joueuses de couloir eh bien, s'illustrer à l'image de Marion Torrent. Et un quatrième but inscrit par Stina Blackstenius qui vient aussi marquer la large domination de Montpellier dans cette première période. Stina Blackstenius qui a pris tout son temps pour venir ajuster l'ensemble de la défense de Soyot. Stina Blackstenius, la Suédoise, un ballon volé dans l'entrejeu par Valérie Gauvin et à la limite du hors-jeu, la Suédoise est servie et vient ajuster Roman Munich. Ça fait 5-0 pour Montpellier et donc un triplé pour la Suédoise. Et bien le voilà Thomas, ce quatrième but inscrit par Stina Blackstenius. Elle avait manqué le coche sur son occasion précédente. Cette fois-ci, elle a trouvé la cible pour la quatrième fois consécutive dans cette rencontre. Et ça fait donc 6-0 pour cette équipe de Montpellier. Tout le mérite en revient à ce club de Montpellier, un club historique dans cette D1 féminine et qui a trouvé des joueurs de talent à l'image de Valérie Gauvin. Et ce septième but pour Valérie Gauvin, elle avait ouvert le score dès la troisième minute et là à la 60e, elle a réussi à battre toute la défense soljadicienne. Et ce corner bien tiré et vous avez eu du nez mon cher Thomas puisque c'est l'INSEE Thomas qui vient inscrire en direct ce huitième but en faveur de Montpellier, un corner parfaitement adressé par Sandy Toletti qui trouve la tête de l'INSEE Thomas et ça fait 8 en faveur de Montpellier, le festival offensif. Et en dehors de ces trois contre-performances et un résultat nul concédé contre Juvisy ici même, c'est un parcours sans faute. Et l'INSEE Thomas va peut-être ajouter une nouvelle réalisation dans cette rencontre. Et le voilà, le 9e but, le doublé pour l'INSEE Thomas. Elle vient participer à la fête montpelliéraine. On a parlé tout à l'heure avec Romain du quadruplé de Signia Blastenius. Il y a eu le doublé de l'INSEE Thomas. Et on la retrouve encore une fois, l'INSEE Thomas qui marque son troisième but personnel au 73e, 75e et donc à la 90e minute. La meilleure buteuse en division féminine, d'abord Sakiko Magai et Dino Sommer qui trouve les filets parisiens. 1-0 pour Lyon. Au revoir, elle va percuter, fin de corps, elle va revenir sur un dribble extérieur. Irène Paredes un petit peu courte. On l'avait dit, hein, quand on joue à 3, il faut être très proche les uns des autres. Il reste du temps évidemment, 14 minutes, 1-0 pour Lyon avec Adaï Gerber qui travaille bien. Alex Morgan, l'américaine, pour pouvoir centrer. Elle s'est trompée, l'ancienne joueuse d'Orlando. Non, on a beaucoup de mal à les trouver. Jennifer Marojane pour ce centre. La tête de Camille Abili, captée sans souci par Katarzyna Kedzeniek. Ce retour d'Alex Morgan. Et tout de suite, c'est un bon ballon pour Adaï Gerber. Adaï Gerber qui glisse à Gino Sommer, qui a évité Ren Parades. Gino Sommer pour Adaï Gerber. Oh, quel but! Et quel contre supersonique pour Lyon, 2-0. Le but d'Alex Morgan, l'américaine, pareil, qui est dominé, archi-dominé. Et Lyon qui déroule, 3-0 pour les Lyonnaises, après moins d'une demi-heure. La joie d'Alex Morgan pour son cinquième but cette saison. Ouais, encore une passe décisive de Jenny Le Sommer. Et Jim Bock vers l'avant, évidemment, avec ce bon ballon au pied gauche, parfaitement donné avec Eugénie Le Sommer qui a levé la tête. Et la bonne intervention de Katarzyna Kedzeniek. Avec Jennifer Marojane. On a frappé encore une fois pour aller chercher la tête de Wendy Renard, c'est touché. Jim Bock Batty, l'ancienne gang en pèse face à Sabine Danois, le centre deuxième poteau. Effleuré par Katarzyna Kedzeniek, la tête de Yves Périssé. Les Parisiens en souffrance, Yves Périssé, on la retrouve.
Saint-Germain avec une Sarah Boadi qui se déploie, Aline. Elle n'a pas eu grand-chose à faire, elle est restée concentrée. Un match pas évident. Hein. Elle est décisive sur une petite déviation de Christiane. Ouais, le choc psychologique. Attention, allez Gerberg, à la solution avec Camille Abili. Non, elle y va seule, elle croise trop. Un petit manque de lucidité d'Adaï Gerberg. Majerie servie par Camille Abili. On la retrouve pour ce 1-2 qui fonctionne. Un petit fond de corps avec Adaï Gerberg. Amel Majerie qui va laisser. Il y a Julien Semer encore une fois. Amel Majerie qui hésite. Petit ballon. Bah, bon retour. Signé Sabrina Delotte. Gérard Pricheur peut être satisfait avant la finale de la Coupe de France vendredi, avant la finale de la Ligue des Champions féminines. Victoire de l'OL 3-0 face au Paris Saint-Germain. Score acquis à la pause. 3 buts différents.